Et salut, on se retrouve sur GT Sport pour la dernière manche, la huitième et dernière manche du championnat des constructeurs. Donc on est parti pour 26 tours sur l'autodrome Lago Maggiore Center. Alors, le prérequis c'est de passer les durs. Donc vous voyez ici directement, j'ai réussi à me hisser à la troisième place pour les qualifications. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est ma deuxième tentative et que y a du refuel à faire et forcément changement de pneumatique, puisque les hard ne tiendront pas les 26 tours. Donc sur ma première tentative, j'avais fait hard, medium, medium. Je pense que j'ai opté pour la même stratégie. On va bien voir ce que ça donne. Je sais pas du tout, c'est pas vraiment la stratégie, je pense, qui me pose problème. C'est plus que le circuit est assez compliqué pour deux choses, difficile à doubler et des gros freinages qui peuvent engendrer des problèmes que vous connaissez, que je vais pas vous énumérer maintenant. Nous allons voir ça en pratique. Je pense qu'il va y avoir du spectacle puisque c'est quand même un circuit très très court hein, qui se fait entre 43-44 secondes. Donc vous allez voir, on se retrouve vite avec des retardataires. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. On se retrouve tout de suite sur la grille de départ. Allez, on est sur la grille de départ comme vous pouvez le voir et ça commence bien la boulette. La boulette. À la boulette. J'ai oublié de passer les durs. Donc on démarre avec des tendres, c'est magnifique. Comment vous dire? Comment bien démarrer une course en saccageant malheureusement le départ, parce que les tendres ne vont pas tenir très longtemps, je vous le dis clairement. Donc voilà, on va voir. Alors je vais avoir l'avantage sur eux forcément au début. On va essayer de pas trop attaquer quand même, pour essayer de les maintenir un petit peu. Mais c'est clairement pas la stratégie que je pense à avoir. On verra bien. On va se concentrer sur ce début de course. Petite touchette ici. Ouais, on perd encore un petit peu de points, c'est pas bien grave. On va essayer de les suivre. Allez, tu t'es loupé grand, bouge un peu. Allez, ici, qu'est-ce que ça va donner? Lâche pas, il doit être en médium, je sais pas. Pas évident. Ah, il protège. Il fait surtout perdre du temps. Merci. Oui, bah laisse-moi. Eh, hey, laisse la place, grand. Oh, j'ai pris de pénalité. Il manquerait plus que ça. Ah, ils sont hard, je pense. Seb, tu devais les garder tes pneus. Tu fais du 4x4 là. Faut moi que je les tienne encore deux tours minimum. Pendant mon rythme, je prends pas les bonnes trages, je suis plus dedans là. Là, je suis plus dans la course.
désolé derrière, je fais pas exprès mais... Allez. On va essayer d'en replacer encore un ou deux. Peut-être mettre les hards pour voir un peu où j'en suis parce que là je suis complètement en aveugle. Ça tient, je tiens le rythme devant, donc on va essayer de rester comme ça encore un peu. Il faut que j'allonge un peu plus. Je suis dans le rythme et ils tiennent le pavé, donc... pas prochain. J'ai du mal. J'aurais dû m'arrêter, mais il était juste là, donc j'aurais pas pu faire grand chose. Prochain tour, j'y vais droit parce que ça devient compliqué. Vous voyez, j'ai oublié de la corriger. Est-ce que je refais le plein? Je pense. Ah, il y a un fuel, c'est compliqué. Hard, je pense, et faire le plat. Hop. Si je pense pour faire le plein, je suis pas à la moitié. Si on va faire le plein, ne prenons pas de risques. Après, je mettrai les médiums. Je pense qu'on va faire ça. Allez, est-ce que je vais quand même bien m'en sortir malgré ce début, cette stratégie qui n'était pas prévue? On va voir. Alors lui. Allez, on est P10 pour l'instant, il faut s'arrêter encore une fois. Allez. Freinage tardif, on va dire. Alors devant, il a 2 secondes 4. Freinage tardif. Ça s'envole devant. Mais bon, la stratégie est peut-être complètement différente, donc ce type de course, ne jamais rien lâcher.
huitième. Septième. Peut-être que je peux aller au bout avec ces pneus-là. Il commence déjà à devenir rouge. Je l'ai vu, mais... Ils veulent tous faire l'intérieur. Il y a encore une seconde 5, le con, mais... Allez, va-t'en. V6, moitié. Mi-course. Donc le carburant, c'est bon. J'en ai mis trop, effectivement. Ça, quand tu fais pas tes tests avant... Voilà, il est arrivé comme un malade. Et il commence à me saouler, mais... Je vais lui faire les petites pénalités, les petites farces qui ne vont pas me causer de points moins. Là, je vais prendre l'intérieur. De lui, je suis en train de fumer mes pneus. Je t'ai vu à côté. Allez. Les freins à poteau, j'avoue. Mon repère de freinage qui était effectivement les plots, hein, chose à ne pas faire. Comme il était renversé, j'ai cru que... Pas me resserrer, il est juste derrière. Pour l'instant, il est correct. Devoir changer de pneu. Il y a du monde devant, hein. C'est... Il y a de quoi jouer à quelque chose, mais... Doucement.
Allez, pas d'erreur, focus. Allez, je vais prendre l'inter. Ah, il me fait encore chier comme ça, mais c'est dingue. C'est dingue comment on peut se faire piéger en étant plus rapide et pas réussir à trouver la solution. Ah, j'ai dû me resserrer, j'aurais voulu élargir, mais comme il était là, s'arrêter ou pas s'arrêter, il reste 6 tours. Je serais tenté de dire, ça va dépendre de eux. S'il s'arrête, je m'arrête, s'il s'arrête pas. Clairement là je peux passer les tendres. Il n'y a personne derrière. Alors faites comme messieurs. Ne s'arrêtez pas. Pas moi non plus. À chaque fois. C'est chaud. Les gars ils savent très bien que s'ils s'arrêtent là c'est terminé pour eux, donc ils vont aller au bout je pense. Regarde si on n'est pas en train de se faire attraper par des gars de derrière, pas trop l'impression. Ça s'arrête hein. Je ne sais pas franchement. Je crois qu'à 3 ou 4 tours de la fin. Je sais pas si. Je sais pas. Je crois que ça devient quand même délicat. Non, faut pas s'arrêter. Il faut juste essayer de pas sortir. Ça pour ça grand, mais tu te fous de moi ou quoi, sérieux? Rajouter du TC. On va rajouter deux même. Derrière ils arrivent vite. Hein. Je vais protéger aussi moi, pour ma salopard s'il faut. Moi ça passe pas grand là, arrête un peu.
je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Le dernier tour, de toute façon je pense que c'était quand même la bonne solution de ne pas s'arrêter. Putain, on fait la même. Allez, il y a du monde derrière, putain, dernier tour. Très très grande difficulté. Je pense pas garder ma sixième place très honnêtement. On va protéger ici. Non, je veux pas m'en remettre, t'inquiète pas. De toute façon, je ne peux pas rivaliser. Pourquoi il met 5ème? Il y a des pénalités devant? Non. Non, 5ème. Alors franchement, j'aurais pas cru. J'étais 7ème, je crois, sinon. Donc 5ème, très très bon. Très très bon résultat. C'était chaud. Hein. Bon, j'étais 3ème au qualif, mais non, j'aurais jamais cru faire quand même un si bon temps, parce que la course est assez compliquée. Je sais pas si j'ai fait la bonne stratégie. En plus, j'ai démarré avec des temps, donc c'était pas la bonne non plus. Combien de points? 40 points peut-être, non? 44 points. Voilà, pour la dernière, je pense que c'est pas trop mal. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course dans les commentaires. Et on se dit à une prochaine. Tchuss!